avec moi. Je fais des vidéos en caméra subjective. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. On a l'image. J'espère la caméra. Partie de magnète. Fishing dans la ville aujourd'hui. Exactement, on va pêcher le métal dans la deal. J'espère qu'on va vous filmer, qu'on va trouver un trésor, mais je ne suis pas sûr. On va voir, on a deux gros magnets, deux gros aimants qui pourraient trouver fond de l'eau. Un vélo. Un vélo, une brouette, un caddie, un scooter, qu'est-ce qu'on peut trouver encore dans l'eau? Une arme, qui sait? Des petits grelots, j'ai eu des petits grelots l'autre jour qui vont gling-long, je les ai gardés, je les ai dérouillés, ils sont très très bien. Je sais pas ce qu'ils foutaient dans l'eau, mais ils étaient là. Alors on va commencer avec le magnet number one, le gros bleu, qui est très lourd. Et qui va donc profondément dans l'eau. Je crois que... Au fond de la vase, c'est ça qui est important. Défaire les nœuds, ça c'est toujours aussi important. Comme ça on peut lancer loin en plus. C'est ça aussi le concept, on le lance le plus loin possible. Le bout de la corde, je vais le mettre... Je vais l'accrocher là parce que... Évidemment, il faut pas faire l'erreur de débutant de lancer ta corde. Et puis que toute la corde tombe dans l'eau, évidemment. Et que tu perds tout. Donc tu l'attaches, plop, comme ça. C'est une vidéo que vous verrez, que vous verrez pas tous les jours. Hein. Attends, parce que là il y a un gros nœud. Allez, on essaye. Allez. Alors. Il y a une branche d'arbre juste devant, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas lancé très très loin. Alors, pour l'instant, il se balade, non, il se balade. Je le fais un peu sautiller dans la vase pour... pour qu'il s'enfonce le plus possible. C'est le plus lourd, c'est pas le plus puissant, mais c'est le plus lourd. Donc je sais pas comment est le sol ici, on essaiera le plus puissant après. Pouf, t'entends ça. Ça a l'air propre, hein, ça a l'air propre pour le moment. Étonnant parce que tu passes sur un endroit, tu sens rien du tout, tu passes une deuxième fois, tu sens rien, puis à un moment donné, par hasard, tu passes au même endroit et là tu sens quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut insister quand même. C'est un peu comme la vraie pêche de poisson en fait, hein. Il faut être un peu patient. C'est pas parce que t'as rien la première fois que l'endroit est vide, évidemment. Bon, là je vais quand même soulever pour voir s'il y aurait quand même pas un petit taureau en dessous, parce que ça je peux pas le sentir. Je crois pas, ça m'a l'air bien propre en tout cas ici. Une capsule. Une capsule de jubilaire. Il y a des trésors, mais et surtout on dépollue, hein. On dépollue les lacs et les rivières en faisant des trucs comme ça. Hein. C'est la... Ouais, les capsules de bière, ça c'est un grand classique aussi. Hein. Allez, je vais aller un peu par là. Wouhou ! À la fin, quand la corde est très mouillée, que tu fais ça, tu reçois plein de postillons et d'éclaboussures sur le pif. Une capsule. Tu l'as montré à la fin. J'espère que la caméra filme le bon angle parce que je vois pas trop si elle est bien orientée ou pas. C'est dur à dire. Alors en général, le magnet fishing, ça attire beaucoup de monde aussi. Tout le monde se demande ce que tu fais. Et donc tu papotes avec beaucoup de gens. Youhou, pouf. Alors là, il faut pas que j'aille trop sur la berge parce que je repère que sur les côtés, il y a des grillages en métal qui font le bord de l'eau. Et il faudrait pas que le magnet se prenne sur le grillage parce que c'est potentiellement
un piège pour rester accroché. Eh ben c'est propre ici, hein. Bah écoute, à Ottigny, c'est pas comme le canal de Bruxelles, hein. C'est clean, rien du tout. Alors, je vais en profiter pour essayer avec l'autre magnète. Ah ben ça, on peut mettre la casse. Si je tombe dans l'eau, je sauve la GoPro. Garderai la tête hors de l'eau. Puis si je tombe sur un vélo, parfois avec le magnète c'est pas suffisant. Il faut, j'ai aussi un grappin dans mon sac. Tu vois, avec trois pics là qui pourrait prendre le vélo éventuellement sur le cadre en métal par exemple ou au guidon ou sur la roue pour Alors qu'est-ce qu'il a lui? À mon avis lui il a des petites crasses, il a des clous parce qu'il est plus puissant, donc à mon avis il a dû capter des petits morceaux de métal. Oui, ce sont des morceaux de métal, je vais vous montrer. Un vieux clou, un vieux machin en métal, je sais pas ce que c'est. Encore une petite barre, une tige en métal, je sais pas ce que c'est. Une petite plaque en métal bien rouillée, un petit clou, des pollutions, le reste c'est des cailloux. Parce que même les cailloux s'accrochent parfois, il suffit qu'ils aient un petit composant légèrement métallisé et il s'accroche. Ah ah! Mais donc il y a peut-être des trésors de ce côté-là. Alors, je vais essayer de lancer sur la berge qui est là-bas au bout. Pour essayer de viser un endroit où peut-être les gens auraient pu lancer quelque chose. Je vais essayer. Ah, j'aurais dû le lancer plus loin. J'essaierai après. On va déjà voir ici ce que j'ai. En plus, il faut viser entre les branches d'arbres. Hein. C'est pas facile. Hein. Il faut. C'est mieux qu'à la foire ici, quoi. Alors, il y a pas mal de courant. Ça, j'ai remarqué ça l'autre jour à Cladil. C'est que. Alors là, il y a une accroche. Je sens quelque chose. Alors parfois, il est juste coincé physiquement derrière une pierre. Mais parfois c'est vraiment un truc à pêcher, je vais voir. Est-ce que c'est une pêche ou est-ce que c'est un peu dans l'eau? Ça a l'air d'être de la grosse crasse de chantier, un truc, un vieux machin d'ouvrier. On va voir ça de plus près. Ouh là là. Il avance. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ça c'est oui, un gros bout de métal, je sais pas, une espèce de grosse vis d'ouvrier, de chantier, de je ne sais pas quoi. Là c'est une grosse maille, une grosse plaque. La plupart du temps c'est ça, on va pas se mentir, ce sont des déchets en métal. Ça, je me demande bien ce que c'est, ça. C'est... On dirait une roue de structure, de trucs... circulaire en tout cas. Encore des petites tiges, encore des trucs en métal, parfait. On dépollue. Ah, lâche. Il aime beaucoup cette barrière. Eh ben. Bon, je m'étais pas trompé, on a eu quelque chose, mais c'était pas un vrai trésor. Hein. Ça fait pas beaucoup rêver pour l'instant. Attention, on va continuer. Essayer d'aller encore plus loin. Allez. Ah, ça se rapproche de l'endroit que je visais, ça. C'est là où il y a les gens qui passent, évidemment, quoi. Il y a beaucoup de passages, parce que... Ce qui nous intéresse, c'est vraiment ce que les gens perdent ou lancent dans l'eau, quoi. Alors, oui. C'est quoi? Il y a une résistance. Est-ce que c'est du métal ou est-ce que c'est une pierre qui hein? Dur à dire. Comme en plus il y a un peu de courant. Hein, résistance. On aime bien, hein, quand ça résiste, on se dit qu'il y a peut-être un truc là qui est en train de... Ouais, on a, on a vu un peu les cousins de ceux-là, on a vu quoi. Sauf surprise, on va voir. Je soulève, il y a quelque chose. C'est pas un fusil, je peux te le dire. Je l'aurais vu tout de suite. Poc.
Ça... Qu'est-ce que c'est que ce machin? Il dit on va reconstituer toute une voiture avec ça. Alors, ça c'est de la crasse. Ah, une capsule. Une capsule jupilaire. Hein. On va faire un peu de pub. Hop. Une petite tige en métal. Ce gros machin là, c'est qu'est-ce que c'est? Ah bah oui, un truc de je sais pas quoi, hein. une grosse pièce en métal. C'est une voiture en kit en fait qu'on est en train de pêcher. On a un ressort aussi. À quoi tu as servi petit ressort? Quelle est ton histoire? Qui t'a balancé dans l'eau? Un bout, je crois qu'on dirait que ce fut peut-être du fil barbelé, ça qui sait à un moment donné. Tout ça, ça a l'air d'être des petits cailloux. Ça c'est en métal, ça je vais garder pour recycler. On envoie tout ça à la déchetterie en donné quand. Voilà. Bon les copains, nous on veut des choses. Des trésors humains quoi. Pas des crasses de chantier. Allez, je recommence dans la même direction parce que il y a l'air d'avoir du potentiel quand même. Hein. Ouais, je me suis pris dans l'arbre. Désolé l'arbre. Je crois que j'étais plus à droite, mais. Alors. Ouais, je vais peut-être arracher une petite branche. Pas ça. Le magasin était même pas dans l'eau, merde. Il est sur l'arbre. Non. Oh non. Allez, arbre, lâche. Ah. Allez, je vais recommencer parce que ça, c'était pas très convaincant. On a quand même une petite tige en métal, je sais pas d'où elle était, mais... Allez, j'essaie d'aller vraiment là-bas à droite. Attention. Il faut un bon lancer. Ouais. Ah, ça, c'est parfait. Alors attention, j'ai pas tombé. Voilà. Comme ça, je passe du bon côté de la branche sans la blesser. Et maintenant, là, je suis vraiment le long de la berge opposée, tout sur le bord. Parce que si les gens laissent quelque chose dans l'eau, tu vois, s'ils veulent laisser, je sais pas, une caisse avec des trucs dedans, ils la mettent à un endroit avec un repère et ils reviennent plus tard pour le récupérer. Donc c'est sur les bords qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. Hein. Parce qu'il y a moins de courant aussi. Hein. Parce que le courant, mine de rien, emporte les pièces. Quoi. Donc, alors, ça résiste. Qu'est-ce qui résiste? Est-ce que c'est le courant? Est-ce que c'est... Tu veux tirer un coup? Sans que ça résiste, non? Attends, bouge pas, j'immortalise quand même en photo pour dire que... On arrive en fin de séance. On n'a pas pu tout filmer, loin de là. On a pêché que des déchets de construction. Des bouts de tiges, de barres, des plaques. La plus grosse, c'était celle-ci. Qui était bien lourde, bien enfoncée dans la vase. Il y a beaucoup de choses qu'on a récupérées sous le pont, qui sont restées sous le pont, sur la berge, parce que le magnet est resté coincé. Et le problème, c'est que quand le magnet est trop coincé et qu'on tire, que rien ne bouge, ah ben, il faut donner sa personne et aller dans l'eau pour le débloquer. Et donc voilà, c'est moi qui me suis collé. Martin voulait pas aller dans l'eau. Il avait peur qu'elle soit froide. Mais elle est bonne en fait, l'eau était bonne. En tout cas pour les pieds. J'aurais pas été baigné dedans. Mais elle est pas si sale que ça. Hein. La dille est assez propre en réalité. Et pas si mauvaise.
Allez, on va faire un dernier lancer. On a changé de côté là pour un peu varier les plaisirs. On a pêché quelques capsules aussi. Et voilà, comme on disait avec Martin, on est à côté du chemin de fer hein, ici. Et donc il y a certainement pas mal de résidus des chantiers, des rails, des travaux, des ouvriers qui ont des bouts de grue, on ne sait pas trop. C'est pas toujours facile d'identifier. Hein. Ce sont des grosses bouts, des gros bouts de métaux, mais c'est clairement du matériel de construction, quoi. Mais on n'a pas trouvé de vrais trésors, on n'a pas trouvé de pièces ni d'euros ni de vieux francs belges. On n'a pas trouvé d'effets personnels. C'est que c'est propre, hein, quelque part. Et c'est se dire aussi qu'il n'y a pas assez de passages pour que les gens lancent des trucs. Parce que c'est ça surtout, hein. On récupère surtout des trucs que les gens ont balancé à la flotte pour des raisons qui leur appartiennent, qui ne sont pas toujours très catholiques ou qui sont parfois juste de la pure maladresse. Mais bon, pour perdre quelque chose dans la deal, en général, il faut être très maladroit alors. Hein. Allez, je lance une dernière fois le plus loin possible. Voilà. C'est pas mal. On espère qu'il va pas se coincer pour le tout dernier lancer. Pas mal de voitures qui ont ralenti pour regarder ce qu'on faisait. Ça suscite toujours beaucoup de curiosité, hein. On va pas se mentir. Alors, oh, je vois des bulles déjà. Mais je suis pas sûr de pouvoir relancer jusque là exactement. Hein, les bulles, c'est toujours un signe qu'il y a quand même quelque chose sous l'eau. Mais bon, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être des branches, ça peut être juste de la vase qui est soulevée, qui libère un peu de vase. Et puis alors, étonnamment, il y avait pas mal de petites branches de bambou. Je ne sais pas ce que c'est comme arbre ici, qui ressemble vachement à du bambou. Eh ben non, on n'a rien eu là. Allez, j'essaie de viser le même endroit parce qu'il y a quelques petites bulles là où j'ai lancé. Yeah ! Beau lancer. Merci. On te complimente. Hop. Ça mord pas. Ça n'accroche pas. Il surfe un petit peu sur la vase. Hein, ici, un peu plus de résistance, mais il a lâché tout de suite. Résistance, il lâche. Bulle. Sans doute des choses qui sont un peu plus profondes dans la vase. C'est en ça que le magnet plus lourd peut être utile. Mais je vais plus le ressortir, le bleu, il est rangé. Je peux lancer une dernière fois dans cette direction, voir si ça changeait quelque chose. Parti ! Allez, c'est le dernier lancé. Après, on dira au revoir à la deal. Pour cette fois-ci, en tout cas. Il y aura d'autres fois. Eh ouais. Mais bon, c'est vraiment une activité d'été, hein, ça. Parce que le risque, c'est que quand il faut mettre le pied à l'eau, ou plus que le pied à l'eau, il vaut mieux qu'il fasse très chaud qu'en plein hiver, quoi. Hein? Comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est idéal, ouais. La canicule est passée en plus, il fait encore bien chaud par contre. Ah, il y a une accroche là, oh là là. Mais il prend pas. C'est trop profond. Je vais essayer encore juste là, quand même, parce que ça bulle encore un peu. Ma curiosité est éveillée, là, les copains. Il pêche rien. Donc c'est là. Alors, il y a un petit truc là qui est venu. On dirait un moule à tarte. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce serait pas ça? Ce serait pas un truc pour faire des tartes, ça? Petite tartelette. C'est ta maman qui aime bien cuisiner, c'est pas. Ah ben, c'est le truc le plus joli qu'on a eu. On dirait une grosse capsule, on dirait. Je crois que c'est un truc pour faire des tartelettes. Je vais faire une photo, ta maman nous dira si c'est bien ça. Ah, j'avais dit dernier lancé. Ça, c'est terrible. C'est jamais le dernier lancé. Bah écoute, moi je sens honnêtement qu'il y a des petits trucs en fait. C'est pour ça que je m'en vais pas tout de suite. J'ai le sentiment qu'il y a des... que c'est une route intéressante.
j'étais sûr. J'étais sûr. Voilà. Alors ça, c'est un grand classique. La magnette qui sympathise avec la barrière. Allez, ça c'est vraiment le dernier lancé, il faut lâcher prise. Hein. On se dit tant pis, si ça vient pas, ça vient pas. Si le magnète lâche prise, c'est qu'il faut aussi lâcher prise. Hein. Ça c'est le dicton du jour. Mais regarde-moi, c'est mule, il y a des bulles. Il a résistance plus bulle, égale trésor quoi. Hein, là il tient un peu mieux. Et ce serait quand même bien un beau final, là, un bel flûte. Il y a quelque chose, c'est pas fini. Je vais l'avoir. Alors, on a déjà une pièce un peu bizarre. Martin, qu'est-ce que ça peut être? Ça ressemble un petit peu à la même matière que tout à l'heure, on dirait. Je sais pas ce que c'est. C'est plus un plat, on dirait un plat. Je dis, on a une cuisinière, là, on a un truc à tartelettes. On a une petite soucoupe de pique-nique en métal. Qu'est-ce qu'on va trouver maintenant? Une table de restaurant. Alors, ça a vraiment bien bullé juste avant, c'est... J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à m'inviter sur les réseaux sociaux pour une prochaine vidéo.